Salut tout le monde, c'est Actar. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans mon simulateur de campagne en fer pour aller voir un petit peu ce que zone le mob épique qui sort ce vendredi dans les vœux miraculeux. Voir si c'est un bon support ou pas. Est-ce qu'il est intéressant d'aller le chercher C'est parti. Alors. Premièrement, euh, pour vous replacer le contexte, ici c'est euh, le genre de team qu'on a dans les derniers niveaux, ce dernier chapitre de campagne enfer. J'avais reproduit les mêmes stats dans une autre vidéo, et donc je m'en sers pour tester des trucs maintenant. Hop, comme vous pouvez le voir, c'est exactement les mêmes stats qu'il y a normalement dans la campagne enfer. Euh, ici, euh, les héros que j'ai choisi d'utiliser, donc elle, la nouvelle pour la présenter, euh, Makin qui est le meilleur DPS du jeu pour aller taper la campagne. Si si je vous assure, il est mieux, il est meilleur que n'importe quelle légende. Dans le jeu pour one shot des ennemis, il est extraordinaire, vraiment. Et c'est un épique, donc profitez-en, vous allez voir les dégâts qu'il fait. Euh, D'ailleurs, regardons les stats ici, mais je les ai adaptés en fonction de ce que vous avez normalement lorsque vous êtes dans la campagne. 25 000 d'attaque, on a peu de stats tanky ici, on a une très faible vitesse, mais c'est toujours plus que les ennemis qui ont moins de 1000 de speed. Donc tant que vous avez plus, le but c'est de jouer avant eux. Et enfin, ici, 60% de coûts à effet, 80% de maîtrise, c'est quand même un bon st un stuff plutôt cool. Correct, J'imagine qu'il faut lui mettre dessus pour avoir ça euh, à la fin de la campagne. On a Maya ensuite, euh, des bonnes stats défensives, mais euh, qui correspondent notamment normalement à ce qu'on a à la fin de la campagne. Pas une grosse attaque parce que pas besoin, moins de vitesse que Makin, c'est normal, c'est pour pouvoir lui mettre les buffs dessus après qu'il ait joué et ne pas perdre des tours dessus. Et on a un petit peu de healing effect ici pour qu'elle soigne davantage. Et sur elle, Olivia, on retrouve la même chose. J'ai mis les mêmes stats à peu près défensives, mais légèrement plus de vitesse pour qu'elle joue avant Maya et conserve les buffs. Ok. Avec un petit peu d'effect hit, euh, un chouïa mieux, ce serait pl un plus, ce serait mieux. Mais bon, c'est pas trop méchant. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comment ça se passe avec ce genre de team. Donc, si je viens en face, Makin, pourquoi est-ce que c'est le meilleur DPS pour avoir pour la campagne Eh bien, il peut one shot tout le monde comme ça. Voilà. Du coup maintenant parlons euh, le détail de Olivia, de ses skills. Première attaque, attaque mono-cible, 200% de dégâts de, de, sur sa défense, et 60% de chance de réduire l'attaque de la cible de 20% pendant deux tours. Alors il y a des héros euh, qui font ça de 40%, il y a notamment un mob épique, je crois que c'est Farnel si je dis pas de bêtises, qui lui baisse l'attaque de 40% avec l'attaque de base, mais enfin son kit reste intéressant pour la suite. Ici, premier skill actif, elle augmente la vitesse de votre team de 20%, plus 12% de barre de tour. Pendant, pendant deux tours, le buff speed, c'est plutôt cool. Encore une fois, il y a des mobs qui montent la speed de 40%, mais 20% sur un mob épique, c'est excellent. On a ensuite. Le passif. Elle va au début de chacun de ses tours mettre une protection d'allié sur le héros qui, est, euh, qui a le moins de pourcentage de PV actuel. Et soigne, le soigner de 8% de ses PV max à elle. Et également, elle va tanker pendant que le mob a la, la, la protection d'allié. 50% des dégâts qu'il va recevoir. Et ça, c'est vraiment énorme. Et ensuite, l'ultime ici elle va augmenter la défense de tous vos alliés de 30% pendant deux tours et leur mettre un bouclier équivalent à 20% de CPV max. Donc c'est pas le plus gros bouclier du jeu, mais ça vient avec un buff def, et vous allez voir qu'avec les exclusifs, eh bien, ça ajoute des choses. Ici, par exemple, elle augmente la barre de tour de 8% supplémentaire sur le premier skill actif. Du coup, ça fait 20% de barre de tour supplémentaire avec ce skill-là en plus du buff speed. C'est vraiment top. Ici, level 2, on a réduction des dégâts de la cible et sous protection d'alliés de 10%. Encore une fois, c'est un très très bon buff. Et enfin, le dernier exclusif, son ultime va mettre défense plus 60% au lieu de 30%. Donc, même s'il n'y a pas un gros bouclier, euh, ça va rendre vos alliés très 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 tanky. Ici, ok. Donc, on est parti. On va mettre le bouclier ici. On va mettre ce skill-là avec Maya. C'est pour ça que je la joue en dernier lorsqu'elle utilise son ultime. Si euh, mes alliés ont euh, suffisamment de PV sur eux, ont les PV pleins après la, le deuxième soin donné sur ce skill-là, si je dis pas de bêtises, elle fait trois soins. Eh bien, s'ils ont plus, s'ils ont les PV pleins après le deuxième soin, elle va leur mettre un buff qui bloque les debuffs, en plus de mettre une consolidation 1 de base. Et donc. Je ne peux pas me faire contrôler sur mes persos et je suis extrêmement tanky. Comme vous l'avez vu, j'ai pris aucun dégât sur mes persos. Donc je continue mon affaire. Je tue Dario cette fois-ci. Je booste ma barre de tour et euh, notamment euh, ma vitesse. Hop, je viens essayer de tuer Zach Zulu. Parfait, plus que Maguire et euh, Turf. Donc je viens tuer Turf. Turf est mort. Plus que Maguire. Et là, ben, autant vous dire que c'est terminé. Et j'ai pris 0 dégâts, tranquille. Je baisse l'attaque en plus au cas où. J'ai toujours un sort de soin si jamais j'en ai besoin. Maguire est mort, c'est terminé. Je vous remontre sans mettre les buffs. Voir les dégâts que je prends sans les buffs sur mes persos. Voilà, c'est pas du tout pareil. Donc vous voyez l'efficacité quand même des persos. Je refais un test pour voir si ça se passe bien à chaque fois. Hop, du coup, on revient là. On retue Karid, qui cette fois n'est pas mort. Manque de coups à effet. Je n'ai pas piqué tous les bleeds. Donc, je me buff. Je me buff encore. Karid est mort quand même avec le poison. J'ai pu encaisser sans problème. Je reviens tuer Dario. Super. Buff de vitesse et de barre de tour. Baisse d'attaque ici. Non, c'est elle qui met la baisse d'attaque. On tue Zaxzoulou. Et on va tuer lui juste pour voir euh, Hop c'est parti Voilà c'était fait exprès On essaie de baisser l'attaque de Turf également Ça approque Donc il va me mettre quelques poisons C'est pas trop méchant Là il va me contre-attaquer Hop Je garde mon soin peut-être Ou je l'utilise maintenant Ouais je vais l'utiliser maintenant Et là vous voyez j'ai 4 poisons Mais elle encaisse des dégâts grâce à la protection d'alliés Extrêmement puissant Regardez on va le revoir parce que je vais gagner un tour bonus ici Voilà, il partage les dégâts. Elle prend 50% des dégâts qu'il subit. Et donc, quand il a des dots, si vous voulez qu'il reste en vie, c'est super pratique. Et là, voilà, il n'y a plus turf. Donc, voilà, excellente. Cette nouvelle épique, elle est vraiment top. Avec Makin, ben, vous avez vu cette team, de toute façon, elle, elle est donnée au début. Donc, Makin, si vous l'invoquez, vous invoquez elle. De toute façon, même si vous n'avez pas elle, il y a d'autres mobs aujourd'hui qui permettent de faire des choses un petit peu similaires en termes d'épique. Vous avez Farnell, notamment, qui est sorti il y a pas longtemps. Vous avez Hailey, qui est excellente, qui est notamment de la même faction, pour baisser les dégâts en face. Vous avez des mobs pour faire des choses aujourd'hui et vous en sortir en campagne en fer. Ici, je vous ai présenté que trois mobs épiques et ils marchent du tonnerre. Ils sont excellents ensemble. Et normalement, si vous montez ce genre de team, vous ne devriez pas trop avoir de problème pour passer la campagne. J'imagine. Euh, du coup, voilà. C'était tout pour la vidéo. C'est un très bon mob épique. J'en suis plutôt content. D'ailleurs, que euh, y ait ces mobs-là qui sortent, qui deviennent de, de plus en plus euh, mieux. Je parle en termes d'épique aussi, notamment. Euh, si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, salut.